What, y'a personne genre? Messieurs, vous êtes où? Ah, sacré fête foraine par ici. Il est où l'événement? Je peux avoir une position. Vas-y. Y'a plus personne à l'hôpital, c'est quoi ce bordel? Oh, je pense qu'ils sont tous là. Y'a 1, 2, 3, 4 voitures. Où ça, à l'hôpital? Non, à l'événement. Ouais, mais attendez, les gars, il s'est passé quoi à l'hôpital alors? Bah, rien. Apparemment, ils savent pas s'il est dans le coma ou s'il est mort ou on sait pas trop. Et vu qu'il y a l'événement, tout le monde s'est barré à l'événement de boxe. Allez, j'arrive à l'événement, ça va me faire du bien, j'en ai besoin. Et je crois qu'il y a celui qu'on a rencontré la dernière fois. On peut avoir des nouvelles de Gold bientôt ou pas, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a, Johnson? On peut avoir des nouvelles de Gold par rapport à ce qui s'est passé ou pas bientôt? Ouais, c'est bon, il vient de me dire là, il était dans le coma, il s'est réveillé. Gino est venu vérifier que c'était bien Vito. Ouais. Et par la suite, il est sorti de son coma et là, il est parti avec Gino. Ils sont partis où? Aucune idée. Mais ils étaient 3 voitures en tout cas. Attends, ils sortent d'un coma, ils s'en vont? Ouais. Ok. Il y avait le médecin légiste? Oui, justement, ils ont parlé avant. Donc c'est le médecin légiste qui a dû laisser partir. Ok. Qui a autorisé du moins. Mais les soins ont été appliqués donc. Moi je vais mettre Anthony et j'arrive à l'événement de boxe. Ça se court à sec ou pas? Il y a octogone ou pas? Ah, je crois que ça va se préparer. Hein. Hello. Bonjour monsieur Manfield, vous allez bien? Ah très bien, et vous? Ouais, j'ai cru comprendre que vous vouliez discuter des taxis, c'est pourquoi? C'est très important, ça concerne une enquête en cours sur les taxis. Pardon? En quel honneur? Ouais. Vous êtes journaliste, vous êtes pas flic? Oui, mais je vous rappelle que j'ai des infos. Que je les ai eues, je les ai pas demandées, mais on me les a données. Ouais, et des infos sur quoi? Sur les taxis? Je vous expliquerai, c'est pas directement les taxis, c'est directement avec un ami proche à nous. Vous savez, il s'appelle souvent Rakan dans le milieu. Ouais, et ça sent pas bon pour lui? Une enquête sera en cours sur lui, mais comme un certain Bornstadt s'est fait arrêter hier apparemment, il est en fédéral actuellement. Le mec avec un nom de Yarl Bio? Ouais, apparemment il est en zonzon là actuellement. Quoi? Il est peut-être sorti aujourd'hui, j'en sais rien. Quoi, il a fait quoi? Mais le problème c'est qu'il est au taxi et que il y a une enquête en cours sur un certain meurtre de Madame Croze. Apparemment ils enquêteraient sur Monsieur Rakal parce qu'ils soupçonneraient Monsieur Rakal d'avoir fait l'assassinat. Parce qu'il y a eu un témoignage d'une personne qui a délivré tout ce qu'il savait sur les Sambras, un certain Daniel Weiss. Ouais. Comme ça. Et apparemment, ils auraient fait le rapprochement entre les deux taxis. Et ils ont ouvert une enquête sur tous les taxis. Et ils enquêtent sur. Et j'en ai parlé à Djellali. Djellali m'a dit que c'était fait arrêter beaucoup de fois par les policiers. Mais on en avait beaucoup autour des taxis. Donc cela confirme bien mes dires. Ok, écoutez, j'ai un événement de boxe pour voir des gens s'enculer. Ça va me faire du bien. Et écoutez, moi aussi, hein. Bah, juste après, on se revoit au service taxi. Ouais, pas de soucis. Mais what? C'est quoi cette queue, wesh? C'est moi où j'entends des bruits d'olive. 27, je vais voir. Ça sent le samoussa. C'est qui? Johnson, viens. J'ai réservé une place, viens. Ah, ouais, c'est de plus en plus. Vas-y, dégage, allez, Johnson. Désolé, monsieur. Bonsoir, papa. Ah, on est directeur, compte. Ça va, et vous? Ouais, c'est ça, Johnson. Qu'est-ce qui se passe là, putain? Bah, c'est Jalali qui a mis un débardeur, t'inquiète. Putain, merde, je savais pas de débardeur, bordel. T'as quoi sur toi, Johnson? Rien de compromettant? Ton gold ceinture, tu l'as rangé? Ah, toi, tu sens bon. Tu sais bien que ce que j'ai sur moi qui est compromettant, je peux pas le ranger, bordel. Ah, oui, c'est vrai. Bah, là, attendez, il se passe quoi là? Ça va se courir, Octogone sans règle, j'ai parlé ou quoi? Pour tous ceux ayant un ticket de. Un ticket pas? Un ticket de quoi? Attendez, ticket d'armes, c'est pourquoi là? C'est tous ceux qui ont une arme sur eux. Oh, ouais, excusez-moi, je repasse à ma place. Bon bah j'y vais alors, non? Jalali, je te fais 1000 balles, tu te fais taser. T'as une arme sur toi? Ouais, d'accord, ça va. Ouais, mais c'est un ticket dans les véhicules. Tu l'as sur le véhicule. Oh putain, je reviens. Ok. J'ai failli passer à côté de ça, sa mère. Allez, on y retourne. Je sais pas ce qui se passe, les frères. Hop, casse-toi! Bah si, justement. Johnson à poil, allez! Pourquoi faut se mettre à poil là? Bah pour la fouille, c'est la fouille intérieurement! Fouille anal! Il faut en faire 100, comme ça on sait. Vous savez qu'on est pas obligé d'être à poil pour la fouille quand même. Fouille complète! Écoutez, viens te mettre à poil avec nous, toi! C'est d'arrêt là! Ouais, viens! Faut te faire fouiller aussi! Ah! Ça me dérange pas! Allez, va avec la madame! Y'a pas de problème, allez-y! Tant qu'on le donnait pas, vous me montrez juste votre nom, ça me va! Allez, madame! Carte d'identité, s'il vous plaît! C'est pas madame qui s'en occupe? C'est ça! Ça, j'aime beaucoup me faire fouiller! Vous avez bien rangé votre arme blanche de votre véhicule. Bah, mais bien sûr. Mais j'ai une autre arme blanche sur moi, mais je peux pas l'enlever. Monsieur, allez-y, monsieur, vous pouvez rentrer. Merci. Monsieur Johnson McGallagher. Exactement. Johnson McGallagher. Monsieur. Ah, vous aussi, vous voulez me fouiller? J'ai rien sur moi. Monsieur Jameson Clark, c'est bien ça? Ils sont trop jugés là, de ta poêle. Ouais, tu peux rentrer ici ou pas là-dedans? Ah ouais, j'y vais, moi j'y vais. Ok. Il y a quoi à gagner dans cette histoire là? 10 000 $. 10 000 $? Ouais, j'ai peut-être le courage aussi pour 10 000 $. Hein. Ah ouais? Non, moi j'ai une trop belle gueule pour ça. Et toi aussi, Johnson. Ouais, c'est vrai, ouais. Merci moi, de me rappeler. Moi j'en ai rien à foutre. Par contre, j'ai rien, on s'en bat les couilles. Toi là-dedans, tu peux aller te battre, t'inquiète pas. Jonathan, tu peux te rhabiller, hein? Ouais, mais c'est toi qui as mes habits, tu peux me les redonner? Ah, vas-y, tiens. Regardez vos chaussettes là, moi ça m'excite. Écoute, joue la défensive, attends le coup.
Esquive, patate, patate, et esquive, okay. Patate, patate, ok, ça va. Voilà. Je me concentre. Bon, bah, j'ai juste pris le truc pour éteindre ma bagnole. Oui, oh, vas-y. Bon. Hein. Vas-y. Ça, c'est bon, ça. Attends, Jalaï, t'es pas obligé de dire tes concurrents sont des salopes. C'est quoi ces conneries, Jalaï? Ouais, c'est bon, j'ai l'impression que tu veux me mettre dans la merde, je sais attends, pas si... Attends, comment ça, c'est tous ça. Des putes, tu vas les désinguer. Arrête, Jalaï, s'il te plaît, calme. Attends, tout ce torse nu, des salopes, dis-tu? Non, mais attends, répète, s'il te plaît, dans mon oreille. Attends, parce que là, c'est je quoi, suis choqué, là. Je me rends compte, Jalaï, là. Je me rends compte que Jalaï a dit que tous les torse nu étaient des pédales. Vous en avez, c'est quoi ces conneries, putain? Moi, ça va pas pour moi. C'est monsieur ça, après. Ah, Jalaï, t'es pas obligé de les insulter, je t'ai dit. Eh bah, dis donc. C'est pas faire plaisir de ça. C'est un plaisir de bosser avec quoi? Qui baisse leur mort? Non, c'est incroyable. Non, attends, mais arrête-toi, s'il te plaît, Jalaï. Alors, normalement, les paris vont être ouverts et je vous invite à aller voir le médecin qui est juste là. Voilà. Parce que c'est un médecin qui s'occupe des paris. Pour le premier match, ça va se passer entre Riley Ross et Romuald Toon. Eh bah, je parie un dollar sur le deuxième. Allez, Riley. Alors, c'est Gino. Est-ce que j'allais où, du coup? Ah, bien, c'est Gino. Oui, vous allez bien, bon, monsieur. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Où êtes-vous? Oui, bah là, je suis à un événement, ça va se battre, en fait. Le deuxième. Eh oui, je suis au courant. On a monsieur Ross et monsieur Toon. Dites-moi, vous m'avez appelé tout à l'heure. Ouais. Dites voir, c'est quoi cette histoire? Déjà, vous allez mieux comparer par rapport à la dernière fois? Oui, beaucoup mieux. Vous étiez devenu un peu bizarre, hein? C'était une période sombre de ma vie, hein, je le cache pas. D'accord, on pourra j'ai une un bonne peu nouvelle plus tard, d'ailleurs. Oui, justement, je voudrais vous voir. Vito est sorti de l'hôpital. D'accord. J'ai pu aller chercher. D'accord. Bon, bah écoutez, j'attends de voir le combat de boxe un peu. Je vais soutenir Aladdin. Il va sûrement mourir dans d'atroces souffrances. C'est qui cet Aladdin? Et je t'appelle après. Ouais, c'est très un mec qui a un pack qui vend des roses là, ce chien. Ok, super. Allez, bon, à plus tard. Vas-y, tu me rends un message. À plus tard. Ah, ça va, t'es vivant? Ah, ça, je sais pas. Pardon? Qui dites-vous ça? T'aurais pas oublié tes sourcils là? Apparemment, t'es dans une merde pas possible, on m'a dit. Ah bon? Oh oui. À propos de quoi? Viens voir. Oui. Ils sont cassés. Vous pensez pas que c'est mieux de discuter plus tard? J'avais un problème de lunettes. Non, j'ai dit ça. C'est un peu urgent. Il y a potentiellement 50 personnes ici. Oui, mais bon. Quoi? Chuchotez s'il vous plaît, il y aura pas de soucis. Ouais, chuchotez. Vous savez que j'ai un indique actuellement dans une force de l'ordre. Il m'a donné des enquêtes en cours. Donc il m'a donné 5 enquêtes différentes. J'en avais parlé avec Manu. Manu m'a dit, demande-lui 2 enquêtes différentes. Ce que j'ai fait, dont une qui était de... qui les concernait. Donc j'ai demandé plus d'infos sur celles qui les concernaient pas. Pour celles qui les concernaient pas, comme ça mettait moins de doutes. Il y a eu du nouveau pour leur affaire. Apparemment, ce serait Luna Cruz qui t'aurait coupé les cheveux. Et apparemment, un certain Daniel Weiss aurait tout débiné suite à la mort d'un certain Iago. D'accord. Et il aurait dit comme quoi t'aurais bien reconnu que c'était Yavé Luna et que ça aurait été des représailles. Je sais pas quoi. Ah bon? Moi j'aurais reconnu des gens masqués, ouais. Bah non, mais moi je te dis ce que je sais de ce qu'on dit. Ouais, ok. Ensuite, apparemment, un certain mec des taxis, Born Vanstadt, s'aurait fait arrêter hier. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Apparemment, ils auraient fait le lien entre toi et lui. Ah bon? Ils auraient dit que vous auriez fait le truc ensemble. Ok. Et donc ils ont ouvert une enquête sur toi, principalement, et une enquête sur les taxis. Donc les taxis sont surveillés en permanence, 24 heures sur 24 actuellement. D'accord. Ils ont même recruté des personnes pour faire des surveillances en plus sur les taxis. Ok. Donc voilà. Et apparemment, de ce que Jalaï m'a dit, bah il a vu beaucoup de flics et il s'est fait beaucoup de fois arrêter. Donc ça confirme mes dires. Ok. Donc voilà. Bah je vais attendre que les flics m'arrêtent et me posent des questions, hein, s'ils veulent des réponses. Ouais, non mais tout à fait, t'as rien à te reprocher, donc en soi t'as rien t'inquiéter, donc voilà. Mais je t'informe juste qu'il y a une enquête d'ouverte, c'est tout. Et celle qui t'a rasé les cheveux est Luna Cruz. Ok, bah écoute. Oui. Jacobora est disparu. Ouais. Disparu. Ouais, décédé. C'est ouais. Toi qui l'a fait. Vous pensez pas qu'il y a des meilleurs endroits que ici pour parler de ça? On sort de l'écho. On chuchote, y a personne. Oui, on chuchote, on est sous un pont, il y a des gens qui passent en bas. Mais non, j'ai appris. Ah, attention, ah, bonsoir John. J'ai appris ça. Monsieur Mogar, vous voulez participer peut-être? Bah ouais, mais on m'a dit que c'était parti, pas. C'est parti. Ah, c'est à moi tout de suite là? Oh putain. Venez, on va le voir se faire exploser. Allez. Et s'il se fait exploser, je mets un breaking news en disant qu'il est nul. Non, mais un breaking news comme quoi il a dit que ce serait easy. Attends, c'est bon, monsieur Gallagher, on a parlé de ce que je voulais vous parler. Non, mais super. Je mets un breaking news. Voilà. Tout défonce tout. Tout défonce tout. C'est parti. Tous les deux, vous me suivez? Personne ne veut. Jalaï. Comment ça, Jalaï? Les adversaires, c'est de l'eau, tu les vois. Chuchot, là. Attends, Jalaï. Eh, Jonathan, mets 200 balles pour moi, là. Ouais, mets 200 balles pour moi aussi, putain. Mets 2000$ pour moi. Voilà. Non, là, on est d'accord pour mettre 200 balles sur le mec qui va désinguer le pack-pack. Bien sûr. C'est bien ce que je pensais. Ah, je mettrai pas 200 balles sur lui. Ah, vous savez pas ce qu'il peut faire le pack-pack, hein. Ouais, il a toujours une rose dans son bouquet, comme on dit. Hein. Après, c'est un Pakistan, il mange des petits-enfants là-bas. Oh, ouais, en entrée, ouais. Eh, Jameson, j'ai mis 1000 balles en ton nom. Hein. Ok, nickel.
S'il y a besoin de sous, c'était avec les journalistes. Ok, ça marche. Oh putain, il entre en scène, il entre en scène. Tire la bombe. Oh pardon. Il a éclaté, il l'a défoncé de deux. Il est tellement rapide, on a l'impression qu'il se téléporte quoi. C'est la puissance des Pakistanais, on l'a déjà dit hein. Eh Médic, mais levé, ils sont où? Il y a qu'un seul round. Ouais, c'est très rapide hein. Et ici, c'est la vraie bagarre, hein, c'est pour les hommes. Ça joue sur un KO. J'ai dit, bon, il mange des petits enfants là-bas. C'est le premier qui est KO. Je crois même qu'il mange des cailloux. Allez, fous-le, vas-y, allez. Fous-le. Bon, apparemment, ils vont refaire le combat là. Ouais, parce que les chaussures. Apparemment, tellement il s'est fait casser la gueule qu'il a les chaussures en plus chewing gum l'autre. Voilà, tu vois, il était pas aux normes. Il a tellement été rapide, on avait l'impression qu'il se téléportait et l'autre il bat du coup, il dit c'est de la triche, tout ça, donc il refond le match. Ouais, putain, on a plus besoin d'être. Sérieusement, quel mauvais perdant. Il l'a démonté une fois. Il va être déçu. Bouffe-le, putain. C'est un combat Dragon Ball. Ouais, j'ai pas compris là, c'est une chasse, c'est quoi? Oh là là. On part, c'est du vol. Moi j'ai mis que les chaussures avec collé. C'est devant là. Oh putain. Oula, les pieds qui collent au sol, ça se voit, les pieds qui collent. Putain, Moumout. Merci pour les deux gros mondes. Oh joli, belle esquive, belle esquive. Oh, pas mal. Oui, c'est pas mal ça. Super, hein. Moi je vais empêcher bien vite sur les gens. Les gars, j'ai mal au crâne, hein, salut. Ok, l'événement de même. Nickel. Y'a tout le monde qui brasse. Ça fait taper des barres. La fin du monde. Y'a tout le monde qui brasse, gros. Messieurs, je suis à l'abri, moi, dans l'abri atomique. Ah, pas moi, putain, là, je dépêche. Tout le monde est parti à une vitesse incroyable. Mais c'était drôle, putain. Faut que j'aille au service taxi, je sais pas si j'aurai le temps, putain, je vais peut-être mourir, moi. T'aurais dû rester avec nous, on s'est trouvé un petit coin tranquille avec un petit générateur. Ouais, c'est pas con, ça. Mais bon, j'ai pas envie de retrouver mon véhicule je ne sais où avec la tempête, tu sais. Alors... Ouais, messieurs, je suis de retour en ville. Vous me raconterez l'événement, messieurs? Avec grand plaisir. De toute façon, il y aura un article dessus. Ah, super. Je vais commencer à me diriger près des Italiens. Ils habitent où les Italiens, si je ne m'abuse? Pelé. Ouais, allô? Allô? Ouais. Tu veux qu'on se rejoigne nous? Ou tu veux que je te rejoigne nous plutôt? C'est pourquoi? Pour t'aider pour ta réunion. Ma réunion quoi? Moi, t'as pas besoin, hein. Bah, je sais pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Pour les Italiens? Ouais, ouais. Non, mais. Moi, t'as pas besoin, hein. Non, c'est bon. Va couvrir l'événement. Par contre, à 23h, tu viens ou pas? Si tu veux. Y'a aucun souci. Vas-y, à tout à l'heure. Ça marche. Vers 23h, vas-y. Ça marche. Allô? Ouais, Gino. Oui. Ça va ou quoi, Gino? Ouais. Tu peux m'envoyer des coordonnées, s'il te plaît, j'arrive. Dans 10 minutes. 10 minutes, ça fait beaucoup, hein. J'aurai pas beaucoup de temps dans 10 minutes. Je vais au plus vite, ok? Ouais. Dans 5 minutes, sinon, malheureusement, on remettra ça plus tard. Ouais, ok, ça marche. Bah ouais, mais faut me dire. Eh oui, allez, à tout de suite. Vas-y, oui, non, mais faut me dire, par contre. Faut faire un petit effort, par contre. Non, d'accord? Mais c'est toi qui fais un petit effort, s'il te plaît. Ouais, non, écoute-moi bien, hein. Ouais, tu vas faire un petit effort, d'accord? Ouais, mais toi aussi, parce qu'après, je suis plus là, en fait. Ouais, ben je comprends bien, mais il va falloir que tu fasses un petit effort en fait. Oui, bien sûr, je comprends, mais fais. Et je vais te fournir la position, mais par contre ça va te demander un petit effort de ta part, hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que faire un effort en fait, ça consiste à donner ta personne, d'accord, pour faire plaisir à l'autre. Il faut. Ouais. C'est quoi, plaisir ton d'offrir. Attends, tu veux que plaisir je vienne à quelle heure? Dans 10 minutes. Dans 10 minutes, je peux ça pas. Ça te va? Je pourrais pas. Merde. Oh putain de merde. Allez. Je fais au plus vite, d'accord? Ouais, dépêche. 5 minutes. Allez. Est-ce que Blue, tu veux venir avec moi ou pas à la réunion avec les Italiens? Ok. Dans ces cas-là, t'es où là? Oui, ouais. Je suis à la fête foraine, je vais décoller, je disais. Ok, je t'attends où? Dites-moi où, patron. Venez au service taxi, rapidement. Ok, je suis en route. On va attendre Emmanuel. L'événement a déjà repris ou pas de votre côté? Négatif. Et il est en train de reprendre? Ça bouge pas beaucoup. Eh,
Hey, Mante. Si. Bon, c'est quoi cette histoire apparemment là d'enquête qui a été ouverte sur les taxis? Aucune idée pour le rapport avec les taxis, je comprends pas du tout. Et toi, t'as fait quoi dans cette histoire? Rien du tout, moi je suis allé déposer une plainte, signalement de disparition auprès de, par rapport à Luna Cruz au LSPD au BCSO, ouais. Puisque j'étais avec elle la dernière fois qu'elle a été vue. Ouais. Et on a été enlevé. Ah non, on a été enlevé par le dégât en bleu. Ouais. Et après ça, elle a été retrouvée décédée. Donc moi je suis allé signaler que on avait été enlevé, signaler que j'étais avec elle et voilà. T'as tué personne toi? Oh, pas elle, non. Ah, t'es sûr? Ah oui. Tu me le certifies sur la tête de ta mère. Bonjour, messieurs les agents. C'est bien ce que je pensais. Allez, circulez. Et Diego Mora, tu peux m'expliquer comment il est mort? Bah, il a pris une balle dans la tête, Diego Mora. Ouais, c'est qui lui a mis? C'est moi qui lui ai mis. Bon, bah, c'est bien, tu commences à dire les choses. Ça fait plaisir. Et sur Diego Mora, il n'y a aucun risque comparé à la meuf, là? Comment ça? Quel rapport avec elle? Non, je te demande, c'est aucun risque qu'il y ait une enquête ou quoi que ce soit. Diego Mora, tout le monde voulait sa mort, donc à mon avis, ils vont pas chercher bien loin. Et elle? Pourquoi tu l'as tuée? Mais j'ai tué personne, moi, monsieur. Bon bah alors pourquoi tu lui en voulais? Parce qu'elle jouait un double jeu tout simplement. C'est-à-dire qu'elle me fréquentait et qu'elle traînait avec les sombras et que elle était là le jour où on s'est fait enlever avec Jali. D'accord. Donc c'est par revanche? Absolument, c'est un cas absolument personnel qui n'engageait pas du tout le groupe. D'accord. Je pensais que tu l'avais pas tué pourtant. Si, bah, vous le savez très bien, je vous l'ai dit. Voilà. Aïe aïe aïe, j'espère que ton enquête ça va pas nous mettre dans la merde. Hein. Pas, et pourquoi il aucun... est en prison le mec avec son ébouché là que tu nous conseillais à tout prix dans le groupe? Bon, parce que je l'essaye en ce moment et qu'on a fait des soupérettes et que j'ai un peu trop forcé et qu'il s'est fait chauffer. Il s'est fait choper de ta faute? Ouais, on était en guetteur avec, avec White et ça s'est joué à une seconde près et il a fait quelques petites erreurs, mais c'est un très bon gars. Ouais, et il a pris combien? Il a pris une journée d'emprisonnement et la moitié de la peine, 8000 okay. D'amende. Et vous avez réussi à faire une putain de supérette ou pas dans cette histoire? On en a fait plusieurs. Ok, vous avez ramené combien alors en tout? On a ramené, je dirais une dizaine de milliers de dollars en tout depuis qu'on commence. Ouais. Mais c'est de l'argent propre. Bah, c'est pas grave, tu donnes quand même au boss. Oh, ça a déjà été dépensé dans des armes et des équipements. Et vous avez mis dans la fourgonnette? Non, négatif. Bah, on n'a pas vu poison depuis des lustres. Vous dites, ça a été utilisé. À lui donner, les gars, quand même. Mais ça a été utilisé pour racheter une arme à Jalali qui s'était fait voler par les sombras. N'importe quoi. Attends, mais depuis quand ils sont à l'église? J'en ai aucune idée. Vous êtes sûr que c'est pas la maison au-dessus là? Allô? Ouais, tu m'as donné l'endroit de l'église, mais vous êtes pas là-bas. Si. Vous êtes dans l'église? Non, je t'ai donné. Va sur la position exacte, on est derrière. Ok, derrière l'église. Ok. Ouais, voilà, tu fais le tour par la droite. Ok. Voilà. Tout en plus, c'est italien. Oui, bonjour. Bonjour, comment je rejoins vos amis? Venez, je vous accompagne. Faut pas courir sur les toits, hein. Ah, mais j'ai l'habitude. D'accord, ok. Italie, les toits, ils sont plus dangereux que ça. Ah, d'accord. Et ils nous emmènent. Ok. J'ai trouvé sur un toit. Mais il a l'habitude, j'ai deux apparemment, personnes, en Italie, vous les toits sont dangereux. Je sais pas où vous habitez en Italie, mais j'ai pas souvenir avoir vu des gens courir sur les toits. Ah, personne coule sur les toits, mais par contre, les toits sont abîmés. Ah, c'est à cause du passage des gens, vous croyez? Ah non, mais bien, après, c'est à cause de l'olage et tout, hein. Mais après, quand il faut les parler d'antenne, il faut monter, hein, dessous. Hein. Ouais, je comprends bien. Vous êtes réparateur d'antenne, alors, en Italie? Ah non, c'est juste pour la maman, c'est pour on met la fourchette. D'accord, ok. Ok, c'est bon. Je vous laisse ici, messieurs. Pardon? Bonjour, messieurs, on a rendez-vous avec Gino. Bonne journée. Si, venez, merci. Monsieur, suivez-moi. Qu'est-ce qu'on fout là? Il y a eu un mort ou quoi? Eh ben. Bonjour, messieurs, vous allez bien? Vous allez bien? Bonsoir, monsieur. Bonjour. Eh ben. Ça fait bizarre de vous voir comme ça, messieurs. Eh ben. Ah, je sais pas, il y avait pas une histoire. Mais on s'est pas fait la bise. Ouais, ah, allez, faites la allez, bise. Moi, allez, moi. Voilà. Et monsieur Manu, moi. Monsieur, moi. On fait la bise. Voilà. Moi. Voilà. Bon, messieurs, la dernière fois qu'on vous a vu, c'était Vito, je crois, non? Mais quoi? Ah, on vous avait vu, Vito, il me semble, là. Vous étiez blond, là. À demander un couteau partout, là. C'est quoi ces conneries, alors? Comme je l'ai dit souvent, le passé, c'est le passé. Et j'aimerais qu'on ne parle pas de cette histoire. Ouais. Mais ça aurait pu nous mettre dans la merde, cette histoire, donc j'aimerais qu'on en parle quand même un peu. Peut-être que Gino va nous expliquer. C'est un malentendu. Un malentendu? Oui. Qui était à l'hôpital, là? C'est... L'ornithorynque. L'ornithorynque, c'est quoi ça? L'ornithorynque est mort. De quoi tu parles, là? L'ornithorynque est mort. C'est et Vito était à l'hôpital. Tu comprends quelque chose, toi, ou pas, Manu? Quel ornithorynque? Manu, il parle pas beaucoup juste pour s'ils sont il m'a pas ça. Fait la bise, donc je lui fais la tête. Voilà. J'ai fait la bise, je fais juste pas le bruit, c'est tout. Oui, c'est comme ça, mec. Oui, bah, ouais. C'est très pimenté, c'est très pimenté. Ouais. Et c'est quoi ces délires, là?
Vous comptez refaire des trucs comme ça ou ça va aller là cette fois? Mais de quoi tu parles? Écoute, j'étais malade, j'étais pas bien, en phase dépressive, ok? Ouais. Et j'ai eu un choc post-traumatique qui a fait que j'ai perdu la raison et un dédoublement schizophrénique élevé, d'accord? Ouais, le médecin m'a soigné. C'était dû à un choc traumatique sentimental. C'est rassurant pour des partenaires. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Après, tu n'es pas obligé d'être un partenaire, hein, si tu le prends comme ça. Je t'ai dit, ok, le passé, c'est le passé. Je suis sous traitement, il y avait mieux, les choses vont bien. Tu comprends? J'essaye, ouais. Et vous arrivez quoi, alors? Vous avez eu votre choc post-traumatique et il s'est passé quoi? De quoi il s'est passé quoi? Là, ça fait une semaine, on vous voit Vito pas. Vito a été retrouvé au bord de la plage. J'ai été retrouvé inconscient, gravement blessé, en état de mort quasi cérébrale. Quasi cérébrale? Oui, c'est-à-dire que c'est pas vraiment... Avec la moitié du cerveau qui fonctionnait, c'est ça? Oui, il y avait une partie un peu endormie, hein, si on veut. D'accord. Et vous, Gino? Moi, ça va nickel. Ça n'est pas nickel quand c'est vu, pourtant. Oui. Vous avez vu une chèvre égorgée dans mon salon, ou c'est comment? Bah, presque. Bien envoyé, ça, Gino. Ouais. C'est presque. En tout cas, t'avais Écoutez, la coupe d'une chèvre. Comme j'aime à le dire, les affaires privées restent privées, d'accord? Oui, c'est une histoire de famille. C'est le passé. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Non, mais il y a un truc, j'ai bien compris. Mais vous... Oui, mais vous comprenez beaucoup de choses. Voilà, vous, hein? moi, vous, comme vous avez laissé le dire. Non, vous. On est censé bosser ensemble, vous nous devez quelques petits services, tout ça. Ah, encore vos nous, services. J'allais me demander à quelle heure vous allez me le demander. Nous, on aimerait savoir c'est quand qu'au bout d'un moment, tu vois, ça part pas en couille comme ça, tu vois. Parce que nous, ça arrange pas les affaires. Ah, parce qu'on a causé du tort à vos affaires, peut-être. C'est vrai. Attendez, j'étais pas au courant. On a causé du tort à leurs affaires, Vito, on a causé apparemment. Du tort. Mais oui, Mac Callaghan va nous expliquer. Oui. Bah, je vais vous expliquer, oui. Oui, pendant que toi, tu te prends pour Marilyn Manson et que l'autre, là, on la retrouve entre deux cailloux, là. À se faire fouetter par les vagues, qui nous dit que vous avez pas ouvert vos gueules sur nous. Donc c'est à vous de m'expliquer justement. Non mais là tu tires les cheveux du poney, tu vois ce que je veux dire. Du poney, quand tu parles du poney, tu parles de ton frère, quand il avait ses cheveux longs. On va faire un petit truc. Si je vous dis que tout va bien, je vais pas vous parler de ma famille, de mes affaires, tout ça. Et si je te dis que dans mon business ça va, ça va. Si tu me fais confiance, on continue la conversation. Si tu me fais pas confiance, je t'invite à repartir. Fais gaffe, t'es soufflé, hein. Parle pas trop longtemps. Oui, ah, oui, c'est la nicotine, ça. C'est la nicotine, je comprends bien. La nicotine. Au bout d'un moment, il va falloir comprendre que c'est normal qu'on vous demande ce qui s'est passé, non? C'est normal, si, je comprends. Mais ce qui n'est pas normal, c'est d'aller creuser un peu des informations qui restent en famille. Et comment tu veux qu'on sache que ça reste en famille? Ben, en me posant pas les questions. Ah, en posant pas les questions? Donc... Ton frère, il se met du maquillage, il a les cheveux longs, on pose aucune question, tout va bien. Oui. Oui. Il fait ce qu'il veut, il aime le style de musique qu'il veut. Pêché. Ouais, il était dans sa phase. J'ai eu une adolescence difficile, si on n'a même plus le droit de faire des tests à l'âge qu'on a. Ouais, non, je comprends bien. Je voulais pas mourir bête. Bien sûr. Une expérience, ok. Une expérience. Très bien, messieurs. Il va juste falloir éviter de prendre les gens pour des cons, quand même. Hein. À quel moment on les a pris pour des cons? Non, je vous demande. Ah, vous me posez la question. Des contrats et tout, je vous pose la question. Juste, est-ce que vous le savez? Et on est bien d'accord là-dessus. Vous, moi, vous. On parle de quoi, là? On parle... Gino, tu comprends de ce qu'il dit? La moitié. Je pense oui, la que moitié. Lui aussi, la moitié du oui, cerveau. Oui, je pense qu'il est... Hein, je pense qu'il y a une sorte de mort cérébrale, quelque part, hein. Ouais, quelques massards, tu connais en mort cérébrale, là. Bon. On est un bon médecin, si vous voulez. Hein. Oui, je me doute bien. Des bons médecins, ouais. Très bien, messieurs. Eh ben, on va pas vous déranger plus longtemps que ça. Non, c'est pas pour ça que je voulais te voir. Ah, c'est pourquoi maintenant? Tu veux qu'on trouve le caillou qui t'a assommé? Non, celui-là, on l'a retrouvé. D'accord, ok, très bien. Il a tué le caillou. Oui, on l'a trouvé. On s'en occupe. Je vais te voir pour une petite chose qui me paraît grandement importante. D'accord. Où tu estimes qu'on en est dans notre relation, mis à part les derniers événements assez folkloriques? Si on doit oublier ce qui s'est passé les deux dernières semaines? Si. On en est dans une bonne relation, je dirais. Une bonne relation, je le pense aussi. Au niveau du business, ouais. Tu estimerais qu'on a quel genre d'accord? On n'a pas vraiment d'accord, tu vois ce que je veux dire. On n'a pas vraiment d'accord. C'est plus, on est plus des alliés que des partenaires. Bien sûr, ouais. Ben, et tu estimes qu'on te doit encore des services? Ouais. Tu l'estimes donc? Vous devez un service, ouais, effectivement, ouais. Encore un? Comment ça, encore un? Attends, explique-toi, là. En quoi tu nous as aidé, là, déjà? J'ai du mal à comprendre. Tu as oublié quelques affaires, quelques services que tu m'as demandé. Ah ouais? Ah ouais, putain. Non, mais vas-y. Ce n'est pas un problème. Non, écoute-moi. Non, je ne te pose pas la question comme si. Tu vas me retourner le cerveau, là. Je te connais, monsieur McGallaghan. Tu es un peu italien quelque part. Tu es un sanguin. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça.
Si je te pose la question, écoute-moi bien. Si je te pose la question, ce n'est pas pour te dire non, je veux plus te rendre de service. Ce n'est pas un problème. Je t'apprécie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je t'apprécie les services. Je serai prêt à tuer mon premier allié et un homme en qui je peux compter. Donc ça, c'est important pour moi. Maintenant, je veux juste comprendre la situation dans laquelle on est, toi et moi, en termes de partnership, comme disent les Américains, hein. C'est-à-dire que je veux comprendre ce que tu attends encore de nous et ce que moi je peux attendre de toi. Et le point le plus important, c'est que je vais te révéler quelque chose sur lequel, en termes de business, je vais m'implanter. Et okay. Tu auras forcément des échos et ça risquera forcément de t'impacter. Voilà. On va faire clair. On va pas tourner autour du pot, ça sert à rien. Ce que j'attends de vous, déjà, c'est quoi qu'il arrive, une confiance et un respect. Vous nous trahissez pour rien au monde. Vous dites rien de ce que vous pouvez savoir. Vous suivez jusqu'ici ou pas? Je pense qu'on est dans la même optique. Voilà. Vous savez. Nous, on dira rien sur vous, on vous connaît même pas finalement. Vous voyez oui, ce que d'ailleurs, je veux dire qui est tout? Voilà. Donc là, on est dans la même optique à ce niveau-là. Ensuite, niveau business, on veut savoir dans quoi vous traînez. Exactement. Et voilà. J'allais ça, dire la même chose. C'est important pour éviter qu'on se roule dessus, si tu vois ce exactement. Que je veux dire. Exactement. Parce que les choses négatives se font souvent masquer. Ça serait dommage que vous vous en preniez à l'un d'entre nous et qu'on s'en prenne à l'un d'entre nous. Exactement. Je pense qu'on est sur la. C'est quoi? Je me rapproche d'un pas en signe de respect. Parce que je pense qu'on est sur la bonne longueur. Je vais peut-être pas me rapprocher, sinon on va très vite se rouler des galoches, mais... Tu sais, le bisou italien, ça me dérangeait pas. Mais plus sérieusement, parce que j'ai boutade, mais ce n'est pas le sujet. Je voulais te dire une chose. À compter d'aujourd'hui, nous allons instaurer, comment dire, une mainmise. C'est comme ça qu'on dit, Gino. Une mainmise sur l'armement. Sur les points d'armes lourds, légers, moyens, ouais. Perpendiculaires, tout ça. Hein. D'accord, ouais. C'est-à-dire que quiconque voudra se rendre sur les lieux sans notre approbation, sans qu'on le sache, sans un code particulier, sera exécuté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Étant donné que tu es notre allié, notre premier allié, et un homme d'honneur à nos yeux, vous, l'armement, vous pouvez l'obtenir comme bon vous semble. Hein. Mais par contre, on aura besoin que les jours où vous alliez acheter une arme, vous nous préveniez par SMS ou quelque chose comme ça. Et surtout, que vous ayez un code vestimentaire, afin qu'on vous reconnaisse et qu'on ne vous abatte pas par erreur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais dans cette ville, ils ont tous le même code vestimentaire. Ben, au moins, il va falloir réfléchir à une solution. Il ne faudrait pas que des balles partent pour rien. Tu vois ce que j'avais dire. Et je pense que c'est le bien, c'est le mieux et tout ça. Tu connais l'histoire? Ouais, je connais bien l'histoire. T'en penses quoi, Emmanuel? Moi, je pense que ça ne nous intéresse pas. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de leur acheter des armes. Combien vous les vendez? Attends, je comprends pas. Je comprends pas. Tu me dis que ça t'intéresse pas de prévenir quand tu vas acheter une arme au risque de te faire tuer dessus, mais tu voudrais connaître le prix de l'arme. Bah, à moins que vous nous disiez où se trouve le vendeur. Tu sais quoi, Gino, je sais pas ce que tu en penses. Pour faire preuve de bonne foi envers Monsieur McGallaghan, je veux bien lui vendre l'information peu cher. Moi, je pense pas que ce soit leur intérêt de connaître le point d'arme. Maintenant, si vous en avez besoin, évidemment, on vous fera un petit prix d'amis et je vous transmettrai les prix un peu plus tard. Non, si on ne veut vous pas intéresse. Vous acheter le point des armes. On va vous demander combien vous vendez les armes. Oui, on parle de la même chose. Non, vous me proposez non, de moi me vendre moi, je parlais d'une chose de... et lui, il parle d'une autre chose. Il n'a pas compris. Il est mexicain. Vous me demandez à quel prix on vend les armes. C'est cela? Oui, et bien, chaque arme a un prix différent, on est d'accord? Bien sûr. Donc, je ne vais pas vous les dire à l'oral, sinon on en a pour encore 2 heures. Non, mais si je vous demande une Kalachnikov, là, vous me dites bien un prix. Bien sûr. Ben là, maintenant, dans l'immédiat, non, c'est pas possible. D'accord. Maintenant, si vous me le demandez un peu plus tard, je peux vous répondre. D'accord. Autre chose à dire, Emmanuel? Ah non, très bien. Tu es sûr, Emmanuel? Absolument. Bene, Emmanuel. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne. Si. Vous savez, sur l'affaire Yagomora, si. On était les deux seuls au courant, entre guillemets. De quoi? De ce qu'on voulait faire de lui. Moi, j'ai plutôt entendu que tout le monde voulait lui tomber dessus. Oui, le problème, oui. C'est que je sais pas encore à l'heure d'aujourd'hui qui c'est qui l'a tué. Et ça moi non plus, je ne le sais pas. Donc si vous avez la moindre information là-dessus... La police parlait d'un sniper. Ça vous avancera à quoi de savoir, monsieur? Je veux juste un peu de curiosité, évidemment. C'est des informations qui me serviront. D'accord. On a besoin de savoir qui l'a tué, tout simplement, si c'est les balas... Ouais, c'est quoi le projet derrière, monsieur? Le projet? Ouais. Il n'y a pas de projet, c'est à titre informatif. Vous savez, l'information, c'est le pouvoir. Ouais, bien sûr. Disons que les gens qui ont tué cette personne, on peut avoir les mêmes points communs, les mêmes intérêts. Vous savez, comme un grand homme un jour a dit, l'information... C'est le nerf de la guerre. Hein. Exactement. Je vois de qui. Oui, oui, oui. Un grand sage. Oui, un grand sage, effectivement. Vous en pensez quoi, Emmanuel? Absolument, un grand sage, oui. Voilà. Bon, écoute, on va faire simple. Vous voulez des infos sur qui a tué Yagomora, c'est ça? Oui. Dès qu'on en a, on vous appelle. Ça vous va ou pas? Ben. Histoire de faire un premier pas vers vous. D'ailleurs, je me permets de faire un petit pas vers vous. Voilà. Oui, voilà, ça, on se rapproche. C'est très simple. Ben, ça me plaît.
Ok, donc si vous avez aussi des infos sur qui aurait pu tuer Jagomora, on compte sur vous pour nous le dire aussi. C'est dommage. On vous le dira, il n'y a pas de... D'accord. Maintenant, en ce qui concerne cette histoire d'armes... Oui, j'ai bien compris que vous alliez être sur chaque poste voilà. H24, donc, c'est ça. Donc, je vous conseille la chose suivante. Si jamais vous avez l'information de nos revendeurs, vous pouvez tout à fait y aller sans passer par nous. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Nous, on vous, là-dessus, vous êtes notre allié. Mais alors, si je puis me permettre, c'est quoi l'intérêt de faire la pointeuse? De savoir ce qu'on va prendre comme arme? Je m'en fous de ce que tu prends comme arme. Écoutez-moi, les autres, je vais leur faire payer. Les autres, ils n'auront pas droit d'aller directement sur le point aller chercher les armes. Ils passeront par moi et prendront un pourcentage dans les dards. Toi, tu es mon allié. Je te fais cette fleur. Tu fais ce que tu veux. Les armes, c'est ton business, etc., ouais, etc. D'accord. Maintenant, si tu y vas à ces points-là, je te conseille de prévenir. Ouais, parce que tu vois bien, ce que j'avais dire. Ouais, j'entends bien. Voilà, bene. C'est pas notre business pour l'instant, je vais pas te mentir. Mais si jamais ça devient... Non mais je préfère te prévenir que bien demain sûr, tu n'apprennes pas que j'ai buté, je sais pas moi, les Mexicains et tout sera triste. Tu et moi je te dirai mais je savais pas. Racal. Oui, Racal, Emmanuel, toi, c'est pour éviter un malentendu. Bien sûr. Okay. Donc je préfère que les choses soient claires là-dessus. Et vous êtes uniquement sur ce business-là, je suppose? Oui, l'autre business, c'est plus des accords envers d'autres personnes. Ok, vous en voulez à personne d'autre sinon là? Actuellement? Ouais. Si, je pense avoir qu'on... des infos sur Jago, c'est ça? Bah, Jago, il est mort, de toute façon. Ouais, donc, non, mais des informations. Qui s'est occupé de lui, ou les personnes. Oui, après, cette information, elle n'est pas prioritaire. C'est juste... Bien sûr, un titre informatif, j'ai compris. Voilà, on aime bien savoir. Voilà, tout simplement. Bien. Très bien. Et si vous avez des infos sur ce qui se passe en ville aussi, à propos de Jago ou autre, vous nous le dites, s'il vous plaît, messieurs? Si, bien, si. Très bien. Bon, on va vous laisser tranquille, monsieur. Ok. Merci à vous de nous avoir écoutés, monsieur McGallaghan. Il n'y a pas de souci. Allez, un petit bisou, vous méritez. Mouah. Grazie. Mouah. 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 Au revoir, monsieur. Attends, il y a moi qui m'appelais. Ouais. Ouais, ça se passe bien. Ouais, c'est bon, on est sorti. On vous fera un petit résumé dans le tableau. Ok. Avec Jameson, c'est incapable. Apparemment, Vito, Gino... Bon, attends, je t'explique, on s'éloigne. Attends. Au pire, on se met rendez-vous, Jack Jameson. Bah, viens au service taxi. On arrive. Merci d'avoir gardé la voiture, monsieur. Pas de soucis, bonne journée. Bonne journée. Bon, t'en penses quoi, toi, de tout ça? Des branleurs, ils me cassent les couilles. Ils se prennent pour je sais pas quoi et ils bluffent à 100%. Ouais. Je pense qu'ils bluffent. J'attends, je vais voir auprès de Gino combien. Ils bluffent sur les armes. Bon, on va voir quel prix ils me l'avant. Et puis on verra s'ils me proposent quelque chose de concret. Je pense qu'ils ont le légère, mais je sais pas, peut-être. Ça me paraît bizarre, mais peut-être. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, on était les seuls. Ok, bon, on verra bien. On verra. Après, ils ont l'air un petit peu plus organisés. Je sais pas si t'as senti aussi ça, mais. Tu sais, c'est pas parce que 6 mecs se mettent à des positions particulières dans un bâtiment que c'est une organisation. Ouais, non, mais bien sûr, mais bon. Des contacts que j'ai, je connais des gens qui travaillent avec eux et qui préfèrent travailler avec moi qu'avec eux. Ouais, mais ça va falloir que t'expliques aussi, hein, qu'on sache un peu où t'en es ou autre. Ouais, bah je vais vous dire, moi j'attends que ça, une réunion. Hein. Tu voudras faire une réunion dans la semaine? Bah au moins avec Poison, et si possible avec Poison et toi, ouais. Ouais, ok. Bah écoute, c'est quel jour qui t'arrange? Poison, il va rester un peu en ville là? Je sais pas du tout. Je vais essayer de lui faire un gros récap si jamais, après pour les jours, peu importe. Sinon, allez, on peut se dire mercredi, non? Ça t'irait ou pas? Ouais, bien sûr. Mercredi 21h, tu vois, histoire d'être bien calibré. Allez, bonne nuit. On se fait une très grosse réunion et on sera bon à ce niveau, ça marche? Bien. Ça me paraît pas trop. Ou mardi, tu préfères mardi? Comme vous voulez, vous me dites, moi je m'adapte. Allez, mardi, c'est pour moi. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Moi, ouais. Mardi, j'ai vu avec Jacal. Est-ce que tu peux nous programmer une petite réunion sérieuse là pour tout le monde? Ouais. À 21h. Ouais, pour mardi. Ouais, tu sais quoi, à 20h, allez hop, comme ça au moins. Mardi à 20h, c'est noté. C'est noté, chef. Ouais. Bon, en gros, pour la faire courte, les Italiens disent qu'ils veulent bosser sur le business des armes. Donc, ils veulent savoir quand on y va, sinon ils tirent à vue ou ils négocient un pourcentage. Donc en gros, ils vont bosser que sur le business des armes. Emmanuel pense que les armes lourdes, c'est du pipeau. Ils les ont pas. C'est pas sûr, ça reste voilà, à voir. Ils pensent. Je leur ai demandé un piège, on leur demandait un prix, mais on n'a rien pu tirer. Qu'ils nous vendent du NACA, quoi. Il nous a dit que là, il avait pas de prix à me donner, mais qu'il me le donnait bientôt. En gros, d'accord. Apparemment, il y a eu un délire dans la famille, je sais pas quoi. Les deux sont rentrés en dépression, il y en a un qui a voulu se foutre en l'air, mais il a été retrouvé, et puis là, ça va un petit peu mieux, il se remet de ses émotions. Mais ils ont l'air un petit peu plus organisés qu'avant, par contre, si je puis me permettre. Après, comme disait Emmanuel, bon voilà, ils sont séparés dans le bâtiment pour vérifier qu'il y ait personne et tout le monde peut le faire, c'est pas un problème. Flic. Mais il faut prendre en compte que c'est mieux organisé quand même. Police. D'accord. Allez, très bien. Il a bien ralenti par contre, hein.
À un niveau discrétion, on est sur des champions du monde là. Hein. Bref. Pour info, pour vous faire un petit récap, moi le business des armes lourdes, j'en ai proposé au gars que vous avez rencontré, Milo Stavin. Ouais. Comme je vous ai dit, c'est l'organisation la plus propre que j'ai vue pour l'instant en ville. Il travaille aussi avec les Italiens et il m'a dit, après est-ce qu'il bluffe, je ne sais pas, qu'il préférait travailler avec moi sur bien des points qu'avec eux, pour le sérieux. Sachant que moi, quand je travaille avec lui, je suis accompagné, alors il ne les a jamais vus, mais il y a Wild, il y a Yellow parfois et il y a Ghost, le nouveau. Ouais. Qui est, celui qui bosse pour toi. C'est ça, qui est tu en lui tour, as parlé depuis qu'on l'a parlé d'ailleurs, depuis la réunion dans l'entrepôt. Ouais, moi je le revois quasiment tous les jours. Et il t'en a parlé de cette réunion ou pas? Parce que il l'a assez mal pris, il a trouvé que Poison le prenait de haut, etc. Je lui ai dit, écoutez, c'est normal, c'est un premier rendez-vous, ils sont très méfiants, c'est des gens assez froids. Et moi je me suis fait passer pour quelqu'un qui n'était pas de l'organisation, hein, qui était un contact. Bien sûr, c'est le but, ouais. Donc je l'ai rassuré, et je pense que ça valait, mais il faudra le revoir et lui donner un peu en échange. Il a eu l'impression de se plier en deux et que ça allait à sens unique. Et je pense vraiment que c'est d'intérêt primordial de travailler avec lui. Ouais. Mais après, on n'est pas des salopes non plus, tu vois. On va jamais se baisser devant quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Non, bien sûr. Lui, il est au courant pour Yago, ou du moins, il est au courant. Ouais. Je lui ai revendu mon arme, d'ailleurs, qui a été limée, qui du coup n'est plus légale. Il l'a rachetée pour son groupe. Et au sujet ce que tu me parlais, que vous avez fait quelques épiceries et tout. Vous en avez fait quoi alors de cet argent? Eh ben, je te dis, on a racheté une arme à Jalali parce qu'il s'était fait volé par les Sombras. Une arme à 9 mm? Ouais, un légal, PPA, légal. C'est ça. Moi, je m'en suis racheté un, puisque du coup, celle que j'avais n'était plus légale. Ouais. Donc, ça fait déjà 30 000 balles. Et voilà, c'est tout. Ok, très bien. Bon, bah maintenant, okay. Par contre, l'argent, va falloir qu'on gonfle les caisses de la société. Nous, ah, mais avec c'est l'entreprise de taxi, on sortira aussi un peu de thunes. C'est du sale qu'il nous faut, patron. Ouais, je sais. Là, la drogue, ça va pas tarder. On va se remettre dans les tuyaux, messieurs, d'accord? Ouais, bien sûr. Là, si je puis me permettre, je veux pas donner d'ordre. Après, ça sera le chef. Mais penchez-vous un petit peu sur la drogue, voir ce qu'on peut en tirer. Même si on peut pas en tirer grand-chose. Je te rappelle, Jalali. Et puis, on voit ça. C'est Jalali qui a gagné, d'ailleurs? Je sais pas. Bon, bah, messieurs, moi, je vais vous laisser. Ouais. Mardi 20h, ça me paraît pas mal. Ouais, on fera ça. Voilà. Messieurs, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Mmh. Et puis, faut penser quand même à des personnes qu'on pourrait élire. Parce que je vais pas aller devant chaque dirigeant de groupe. À chaque fois. La première fois, ouais, mais les autres fois, ce sera pas à moi d'y aller. Il y aura quelqu'un qui nous représentera, qui ira pour nous, qui connaisse nos méthodes. Et vu qu'on peut pas mettre Emmanuel, vu que c'est juste un contact. Allô? Alors, tu parles pour Tavin, c'est ça? Après, oui. Tavin, à terme, si on travaille avec lui, on lui fera confiance et on pourra se sortir de cette histoire. C'est qui Tavin? Ouais. C'est le gars que vous avez rencontré, le gars que je vous ai présenté. Un groupe ultra organisé en France. En France et de par le monde, d'ailleurs. Ouais, j'ai retenu que simplement avec. Bref, va falloir quand même se méfier de lui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Genre, jamais se montrer à découvert, jamais montrer les postes qu'on a. Ah non, mais avec eux, de toute façon, c'est juste drogue. Bien sûr. Y a pas d'embrouille et on vend les armes et fin d'histoire, y'a rien d'autre. Ouais, c'est ça. C'est donnant. S'ils veulent autre chose, on tient enculé. Oh, j'ai un autre plan qui est en cours aussi pour nous fournir les armes lourdes sans les payer. Le BCSO fait souvent des contrôles dans le désert. Ils sont deux, ils ont des fusils d'assaut à la main, ils arrêtent des voitures. J'ai l'idée de faire arrêter une voiture avec deux gars qui arrivent derrière et qui les braquent. Et on prend les armes, on se casse. C'est pas bête ça. Non, c'est pas bête. C'est risqué? Ouais, mais ils sont vraiment souvent que deux. Donc, okay. Si on est à minima 3, c'est intéressant. Bah écoute, si tu sens une occasion et que t'es sûr de ton coup, allez-y. Ouais, on va pas le faire rapidement, sûr. Non, mais on le fera après. Et quand t'as l'arme, même si je suis pas en ville et que t'as l'arme et que tu veux vraiment planquer, tu m'envoies un petit mail. J'arrive rapidement, je la fous dans le bureau et hop, c'est fini. Ouais, t'habites pas loin de la ville, toi. Je suis à côté de la. Bah, je suis au fond. Ouais, je comprends. Ouais. Bon, bah, très bien, messieurs. Bah, je vous souhaite une bonne nuit, je commence à fatiguer là. Je vous fais des bisous. Ouais. Et je vous dis à très vite, messieurs. Ça bonne marche. Nuit. À très vite. Ciao. À très vite.